On est prêt pour commencer le warm-up? Je répète, aujourd'hui, c'est pas mal de low kick. On va travailler beaucoup avec Bob. Prêt? On va faire les oui. Et non. On ramène les oreilles aux épaules. On vient de faire les épaules. Même chose de l'autre côté. On vient faire les coudes. Même chose de l'autre côté. Hop, on tourne. Même chose, on se penche vers l'avant, on vient toucher les orteils. Good. On vient mettre les mains sur la taille. L'autre côté. Jambe gauche en avant. On regarde en arrière. On se penche sur le côté gauche. De l'autre côté, jambe droite en avant. On regarde en arrière. On penche sur le côté droit. Et là, ce qu'on va faire pour à peu près une minute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer et on va lancer un coup de genou. Donc, je vais bloquer sur le côté et je vais répliquer avec mon genou inverse. Donc, je vais toujours faire droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite. Ça marche avec toi? Donc, on va faire une petite minute avec ça. T'es prête? Good, c'est parti. On y va. Droite, gauche, gauche, droite. Gauche, gauche, droite. Droite, gauche, gauche, droite. On continue. Droite, gauche, gauche, droite. Exact. On peut mettre les pieds parallèles. Droite, gauche, gauche. On continue, on continue.
prend un petit 10 secondes. Good, pause. Qu'est-ce qu'on vient faire? On va lancer la jambe droite en avant, en alternance. Même chose, un mouvement circulaire, droit en avant, on vient tomber sur le côté. Good, prochain, on fait 20 sit-out. 20 sit-out, on s'en va au sol. Ce que je viens faire, je fais mon pas. Je fais mon sit-out et je reviens, je fais la même chose de l'autre côté. On en fait 20 en tout. T'es prêt? 20 sit-out, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un autre set comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et dernier, 10. Qu'est-ce qu'on vient faire? On reste au sol et s'asseoir sur nos fesses. Au début de l'exercice, je vais sur mon épaule droite, je reviens épaule droite, après ça, on fait l'épaule gauche. Quand je pars d'épaule droite, je viens rouler jusqu'à temps que je sois en position à genoux. Je reviens sur mon épaule droite. Ensuite de ça, je vais faire l'épaule gauche. Épaule gauche, position à genoux. Je reviens avec mon épaule gauche. On en fait 10. C'est parti. 1, 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Parfait. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire du shadow. Donc, un 2 minutes de shadow. Essaye de tout mélanger, tout ce qui est striking, grappling. Donc je répète, en grappling, on a vu la dernière fois, dans le bloc, on pouvait mixer ça avec nos mains, on avait notre sprawl, même chose, on avait notre feinte de shoot, et on avait notre shoot. Maintenant tu peux ajouter tout ce qui est set-out, faire tes shoots, tout mélanger, ça marche? Fin de minute. C'est parti, 2 minutes. Shadow. Donc, je répète, aujourd'hui, beaucoup de low kick. Fait que tu peux en envoyer. Encore 20 minutes. 1 minute. Gentle pas pour les sprawls. Les shoots, tes feintes. Changer de niveau. Tu peux me mettre des genoux. Des coudes.
Good job. Pause. Ce qu'on fait, 5 squats, 5 push-ups, 5 rétrogressions assis. On fait ça 3 fois. On essaie de faire ça en 1 minute. C'est parti. 5 squats. 5 push-ups. 5 rétrogressions assis. On se relève de la bonne façon, le mémé. Et on recommence. 5 squats. 5 push-ups. 5 rétrogressions assis. On se relève de la bonne façon. On refait ça une dernière fois. Let's go, let's go, let's go. En rapide, rapide. Good job, on peut aller boire une petite gorgée d'eau. On va mettre les gants juste MMA pour se protéger les mains. On va travailler sur Bob. Si tu veux travailler sur ton sac, ça se fait aussi. Je sais que t'en as un, c'est parfait. Pour le premier exercice qu'on va faire, on va juste se servir de notre jab pour prendre une mesure. Donc, notre jab, là, c'est notre mesure. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des low kicks. Je ne serai pas sévère sur la direction de ton low kick, de la manière de le lancer. Je veux vraiment juste que ton jab te serve de mesure. Tu lances ton low kick de ta jambe droite. Donc, mon jab, main gauche. Low kick, jambe droite. Juste pour prendre la mesure. Donc, tu peux l'envoyer sur la partie haute de ton tibia, la partie basse de ton tibia, ça ne me dérange pas. Ça marche? On va se faire juste une petite minute avec ça. C'est parti. Donc, on lance un jab et on lance un low kick. Le jab sert à lancer la mesure. On peut prendre de l'angle. On y va. Good. On va faire ton jab de ta main avant, ton low kick de ta jambe arrière. Ma jambe droite en avant, mon jab c'est ma main droite, mon low kick c'est ma jambe gauche. Exact. On tourne bien sur les kicks. Parfait. Ça, notre mesure est prise. Okay? On connaît bien la distance à laquelle il faut être pour lancer des bons low kicks. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer des low kicks aléatoires. Si tu parles de low kicks aléatoires, ça peut être ta jambe arrière, ça peut être ta jambe avant, ça peut être toutes tes stumps, tes obliques, ça peut être tes side kicks, ça peut être tes tips, et tu peux voyager d'une jambe à l'autre. Marche. Donc, même principe, on se fait une petite minute, juste des low kicks aléatoires cette fois-ci. C'est parti. Pas de frappe, aucune frappe avec les mains. On va juste les low kicks.
Good job, pose. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va se concentrer sur l'inside leg. L'inside leg kick. Donc ici, tu vois mon bas, il est placé. On va voir sa jambe gauche en avant. Comme s'il était comme ça. Ça marche? Donc moi, je vais me placer pour avoir ma jambe gauche en avant. Fait que si je me place avec, pour avoir ma jambe gauche en avant, il a sa jambe gauche en avant. On est en closed stance, un stance fermé. Et si je suis en stance ouvert, open stance, stance fermé. Si je suis placé comme ça, mon inside leg va se donner sur avec ma jambe gauche pour frapper l'intérieur de sa cuisse. Donc ce qu'on va faire, on va juste voir différentes manières de le faire. La première, on va le faire avec un step. Mon step, ce que je vais faire, je vais faire un pas vers son intérieur. Ici, c'est son intérieur. Ça, c'est son extérieur. Donc, je prends, je viens faire mon step avec mon pied avant vers son intérieur. Ensuite de ça, je vais pousser sur ma jambe. Je vais m'appuyer sur ma jambe d'appui pour venir frapper l'intérieur de sa cuisse. Exact. Donc, je suis ici. Je fais mon pas et je viens frapper à l'intérieur de sa cuisse. On en fait une dizaine. C'est parti, une dizaine. Donc, je rapproche mon angle de ma cible et je prends une bonne angle pour ne pas frapper son genou. Parce que si sur son genou, son stance est de côté, son genou, je peux avoir des chances de le frapper. Donc, si son pied est vers l'avant, si son genou est vers l'avant, plus de chances de frapper la cuisse. Si je prends un step vers son intérieur, même chose, plus de chances de frapper la cuisse, moins de chances de frapper son genou. On continue encore un petit 15 secondes. Un petit dernier. Maintenant, ce qu'on va faire, donc on va moins se commettre avec un step. Pour en faire, on va juste remplacer mon pied arrière, mon pied avant par mon pied arrière. Donc, ce pied-là s'en va ici, celui-là s'en va là, et je refais le même chemin pour revenir. Donc, je viens frapper et je reviens. Je frappe, je reviens. Donc, ce qui peut t'aider, c'est de descendre un petit peu ton centre de gravité quand tu vas frapper. Donc, quand je frappe, je descends un petit peu mon centre de gravité et je reviens. Bon. Bon. Vois ça comme un peu plus un snap qu'un kick avec de la pression. Ici, j'avais beaucoup de pression avec mon step. Beaucoup de pression. Ici, c'est plus un snap. Donc, je vais venir frapper rapide. On y va? On en fait une dizaine. C'est parti. Tu vois ça rapide, rapide. Pas on rien. Pas on rien. Good. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger notre step, notre frappe, avec un direct. On va alterner ça avec notre jab et notre pendule. Donc, on en fait un chaque. Mon step avec mon direct. Et j'envoie mon inside leg. Boom. Je reviens. Ensuite de ça, ce que je fais, j'envoie mon jab et je fais mon pendule sur l'intérieur et je reviens. Et on alterne. Donc, direct, inside leg, jab, inside leg. Direct, inside leg, jab, inside leg. Donc, remarque que le timing des deux n'est pas pareil, le rythme. Le premier, pop, pop. Le deuxième, pop, pop. Il va encore, encore une couple de shots. Donc, ce qu'on a fait, on a fait l'inside leg, l'intérieur de la cuisse. La technique peut être exactement la même si on est en open stance et que je veux envoyer un outside leg. Donc là, ma jambe droite est en avant. On ne le pratiquera pas vu qu'on l'a fait d'un côté.
si je voulais le faire à titre d'exemple, hein, je fais mon step avec mon direct, j'envoie l'outside leg, pop, on est en open stance. Ensuite de ça, j'envoie mon jab, hop, j'envoie mon outside leg. Donc, c'est la même chose que j'ai faite de l'autre côté. Ça marche? Donc, on ferme la parenthèse pour tout de suite sur l'inside leg. Inside leg, intérieur de la cuisse. Donc, ce qu'on va faire, c'est outside leg, extérieur de la cuisse. Comment on va le faire? Je vais le faire en ligne droite, en steppant vers son intérieur et en steppant vers son extérieur. Donc, si je le montre là, sans bob, sans rien, en ligne droite, je vais faire un pas en ligne droite et je viens frapper mon outside leg kick. Donc, c'est bon avec mon coup de carrière. Si je m'en vais vers son côté, de ce côté-là, vers le côté de ma jambe avant, je vais faire un pas en 45. Donc, je peux déjà ouvrir la hanche sur mon pas. Donc, je fais mon pas, j'ouvre la hanche, je décolle mon pied et je viens frapper mon outside leg kick. Maintenant, j'ai fait en ligne droite, j'ai fait vers mon côté avant. Maintenant, on va vers mon côté arrière. Bon, ce qui est différent avec le côté arrière, c'est que je vais mettre du poids sur ma jambe arrière. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais décoller mes pieds pour envoyer mon outside leg kick. Bon. Donc, je mets du poids sur ma jambe arrière et je décolle mes pieds pour envoyer mon outside leg kick. Donc, maintenant, à quoi ça ressemble sur Bob? Je te le montre sur Bob, puis après ça, on va se faire un petit 2 minutes en ligne droite, côté avant, côté arrière. Donc, sur Bob, en ligne droite, j'avance vers Bob, Bob, en ligne droite, et j'envoie mon outside leg kick. C'est en ligne droite. Maintenant, si je m'en vais vers mon côté avant, je fais mon pas en 45, j'ouvre la hanche, j'envoie mon low kick. On voit que la cible est différente, ça va être plus sur le dessus de sa cuisse. Donc, en ligne droite sur le côté, quand je step en 45 vers son intérieur, sur le dessus de la cuisse. Donc, ici, je suis sur le dessus de la cuisse. Et quand je vais aller de l'autre côté, de mon côté arrière, je fais mon pas, je remplace mes jambes, je vais twister et tu vas voir que la cible maintenant, c'est l'arrière de sa cuisse. L'arrière de sa cuisse ici. Donc en ligne droite sur le côté, quand je step de mon côté avant, c'est sur le dessus de la cuisse la cible. Et quand je step de mon côté arrière, c'est en arrière de sa cuisse la cible. Ça marche? On se fait un petit 2 minutes avec ça. Okay? On les fait dans l'ordre. En ligne droite, côté avant, côté arrière. Et pour aujourd'hui, on va regarder la jambe gauche en avant. Ça marche? On y va. Un petit 2 minutes. On y va en ligne droite. La cible, c'est le côté de la cuisse. Je vais voir mon côté avant, le dessus de la cuisse. Je vais voir mon côté arrière, ici, à l'arrière de sa cuisse. Et on recommence. Sur le côté de la cuisse. Sur le dessus de la cuisse. En arrière de la cuisse. On continue. Sur le côté de la cuisse, good. Sur le top. En arrière. Good. Sur le côté. Sur le dessus. Et en arrière. Pour la prochaine minute, on ajoute un jab avec tout ça. Tout ce qu'on fait, on va ajouter un jab pour l'instant. Donc, j'envoie mon jab, côté de la cuisse. J'envoie mon jab, dessus de la cuisse. J'envoie mon jab, en arrière de la cuisse. On fait encore 45 secondes avec ça. Good, c'est bon, c'est bon. Encore un petit 10 secondes. Good job, pause. On boit une petite gorgée d'eau.
C'est bon, ça. C'est bon. Ça veut dire qu'il y a mal. Good. Maintenant, ce qu'on va faire. Donc, ce qu'on a fait jusqu'à date, on a vu l'inside leg. On l'a mélangé avec le jab et avec le direct. Parce qu'on a vu l'outside leg. On a vu qu'on pouvait frapper sur le côté, sur le dessus, en arrière de la cuisse. Donc, différentes cibles. Ça ne veut pas dire que où est-ce que tu vises tout le temps, c'est là que tu vas frapper. Parce qu'il faut toujours que tu gardes en tête que ton adversaire se déplace. Donc, c'est pour ça qu'il faut le tenir occupé en défensive pour pouvoir bien atteindre les cibles qu'on veut. Maintenant, parlant d'occuper, ce qu'on va faire, on va se faire des petits combos. Des petites combinaisons pour avoir ton outside leg kick. Les combos qu'on va faire, on va garder ta jambe. On va garder ta jambe gauche en avant. Fait que Bob va avoir sa jambe gauche en avant. Donc, les deux personnes vont être placées orthodoxes. Orthodoxe, jambe gauche en avant. Donc, pour le premier combo. Premier combo, ce qu'on va faire, on va lancer ton jab, ton direct au corps, ton crochet à la tête, et ensuite de ça, ce qu'on vient faire là, après le crochet à la tête, je vais tirer sur la crinque et j'envoie mon low kick. Donc, jab à la tête, direct au corps, crochet à la tête, et le low kick. Donc, haut, bas, haut, bas. Intérieur, intérieur, extérieur, extérieur. Ça marche? On se fait ça une dizaine de fois. Premier combo. C'est parti une dizaine de fois. Donc, un, deux, bas, trois, haut, outside leg. Je vous prends bien le temps de faire chaque technique correctement. Exact. Viens toucher la cible avec ta bob. Touche la cible. Encore 20 secondes. Good. Mets ta jambe gauche en avant. Jambe gauche en avant. Good. Viens frapper sa jambe gauche. Celle-là ici. Good. Donc, ça va être ça notre cible. Good. Pause. Maintenant, ce qu'on va faire. On lui a fait mal à la jambe. Ce qu'on va faire, on va venir feinter. Okay? On va juste venir toucher. Juste venir toucher ici. Je touche, je vais déposer et j'envoie mon direct à la tête. Après mon direct à la tête, ce que je viens faire, je vais lancer mon crochet au corps. Hop! Exact. Ensuite de ça, à partir de mon crochet au corps, là c'est sûr que j'ai pas ma garde, d'habitude votre tête la garde, on vient tirer et tourner en même temps. Donc si je suis ici, je tire, je tourne en même temps. Ça marche? Donc, je feinte la jambe, je dépose, j'envoie mon direct, crochet au corps, je tire pour envoyer mon low kick. Hop, 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 hop. Good. Donc, ce que je tolère, ce qui est bon là, ce que je veux, soit le plus utile, c'est ta feinte ici. Okay? Donc, c'est pour ça que je te l'envoie la toucher pour qu'elle soit crédible. Okay? Tu peux la faire de différentes manières. Tu pourrais très bien juste donner un coup de hanche. Déposer, envoyer ton direct. Tu pourrais venir toucher, frapper en genre de Superman. Tu pourrais très bien faire un Superman. Ça ne me dérange pas, c'est juste que ta feinte, il faut qu'elle soit crédible. Ça marche? On se fait une petite minute avec ça? Une minute, c'est parti. Donc, je feinte. Deux, trois bas. Low kick. Feinte. Deux, trois bas. Low kick. Comme je dis, tu peux faire un Superman, ça ne me dérange pas. Juste
Good, parfait. Good job, pause. Donc là, ce qu'on a vu, première combinaison, j'ai fait une combinaison pour bien toucher la cible et pour vraiment faire mal à la cuisse. La deuxième combinaison, ce que j'ai fait, j'ai commencé avec une feinte. Donc j'ai commencé avec une feinte pour le faire réagir. Donc le check, à moins que ce soit un taille hyper expérimenté, c'est rare que les gens vont laisser la jambe dans les airs et vont la déposer après. Okay? Si je me fais combiner, je lève ma jambe, autre, je la dépose. Donc je le feinte. En pleine combinaison, ce crochet-là sert à faire déposer la jambe et je le frappe. Et donc la deuxième, j'ai feinté, frappe, frappe et je réatteins la jambe. Ça marche? Maintenant pour la troisième. Pour la troisième, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un setup pour venir chercher non pas la jambe avant, mais faire mal à la jambe arrière. Et au cas où ce que la personne check souvent. Donc, ce qu'on va faire, je vais déplacer ça pour que je puisse bien le voir. Donc, ma cible depuis le début, c'est ça. Okay? Maintenant, ma cible finale, ça va être ça ici, l'inside leg, de la jambe arrière. Donc, si je suis en face de Bob, ma cible, ça va être ça ici, pour ma troisième combinaison. Donc, comment je vais faire pour atteindre ça? Je vais utiliser mon premier jab pour prendre de l'angle. J'envoie un low kick. Exact. Ensuite, je me repositionne. Je veux feinter le low kick, me déplacer pour avoir accès à la jambe arrière et je viens frapper la jambe arrière. Donc, je suis en face de Bob ici, je te le montre. Je prends de l'angle. Je viens frapper en arrière de la cuisse. Boom. Je me repositionne. Je feinte la jambe avant. Je me replace pour avoir accès à la jambe arrière. Et on recommence. Donc, je prends de l'angle. Je frappe en arrière de la cuisse. Je me repositionne, je feinte la jambe et je viens chercher la jambe arrière. Donc, ton jab arrière la cuisse, on se repositionne. On feinte, exact. Donc, sur ta feinte, tu n'as pas vraiment besoin d'envoyer ton jab parce que tu veux qu'il morde dans la feinte. Donc, tu veux vraiment, whoop, et venir chercher l'autre jambe. Exact, oui. Donc, je le refais une autre fois. Donc, ton jab. En arrière de la cuisse, je me replace. Quand c'est ici, là, je peux vraiment mimer mon kick. Hop, je viens chercher l'autre. Donc, le but de ça, là, c'est qu'ils viennent checker justement le kick. Tu veux qu'ils viennent checker le kick et tu veux te placer pour avoir la jambe qui est sa jambe d'appui. On se fait une petite minute avec ça? Let's go, c'est parti. Une petite minute avec ça. Donc, je frappe, je prends l'angle en arrière de la cuisse. Exact. Je feinte et je viens chercher en arrière. Eh oui, c'est bon, on continue. Exact. Quand tu fais ta feinte, regarde, tu peux décoller ici. Boum, je me rappuie à côté de l'autre et je repars. Exact, oui. Yes. Un dernier. Jab en arrière de la cuisse, on se replace. Je feinte et je frappe en arrière. Exact. Good, une petite pause, on boit une gorgée d'eau. On arrive à notre combo du jour. Combo du jour. On va utiliser l'inside leg et l'outside leg. Donc pour le combo du jour, j'utilise l'inside et l'outside leg. Enfin, on va utiliser le setup qu'on faisait avec le direct. Pour l'inside leg, on se fait une petite combinaison, ça ressemble beaucoup à la combinaison numéro 5, tu vas voir, pour aller chercher l'outside leg. Donc, j'utilise mon direct pour me placer pour l'inside leg. Aussitôt que mon inside leg est lancé,
Regarde, quand je vais déposer mon pied, je dépose mon pied en même temps que mon jab au corps. Donc, il faut que tu entendes un son. Ensuite de ça, ce que je viens faire, mon uppercut arrière, mon crochet de ma main avant, et je termine avec mon outside leg kick. Donc, à quoi ça va ressembler? Je lance mon direct, inside, jab, uppercut, crochet, outside. Donc, direct, inside, jab, uppercut, crochet, outside. Ça marche? Uppercut, crochet et outside. Prêt? Fais-en 2-3, puis après ça, on va jouer avec ça. Direct, inside, jab, uppercut, crochet, outside. Exact. Vois ça là, toujours mettre un poids d'un côté et de l'autre. Je mets du poids vers ma gauche. Je mets du poids vers ma droite. Gauche. Droite. Gauche. Donc, mon poids là, c'est tout le temps en train de changer de droite à gauche. Pan, pan. Pam, 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 pam. On continue, let's go. Direct, inside, up, pam, pam, outside, good. Là, je vois que ça va super bien. On se fait, j'aimerais ça que tu fasses une minute quand même assez intense. Une minute, intense. Si c'est pas assez intense, on va mettre 2 minutes. Ça marche? Une minute? Let's go, c'est parti. Donc, j'envoie. On direct, inside, pam, 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 outside. Side, pa, 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 outside. Let's go, encore 20 secondes. Trois, deux, un. Good job. Good. Donc, le combo du jour, super pratique à utiliser parce qu'on utilise vraiment l'inside, l'outside leg kick. Ça marche? Si jamais tu le fais sur le sac, ton uppercut, vas-y un peu plus au corps pour pas te clipper le poignet. Okay, parce que sur un sac, c'est droit. Donc, quand tu fais ton jab correct, ton uppercut, tu le feras au corps. Tout le reste se fait bien. Maintenant, des stratégies que tu peux utiliser pour tes low kicks. Tes low kicks, ils peuvent servir à beaucoup de choses. Tes low kicks peuvent servir à réduire la mobilité de quelqu'un. Donc, s'il y a quelqu'un comme toi, tu es in and out, les low kicks, à force de recevoir des coups sur la jambe, ça peut affaiblir justement ce in and out-là. Quand je mets du poids sur la jambe avant, là, je ressens un petit peu plus, la misère à backer un petit peu plus, puis à mettre du poids dessus. Comme stratégie, tu peux utiliser ça pour réduire la mobilité, puis continuer à. Il y a des feintes que tu peux faire pour continuer jusqu'à temps que la personne se couche. Dans le sens, comme on l'a fait tantôt, j'ai feinté et je suis retourné. J'ai feinté et j'ai frappé l'autre. Et tu veux tellement frapper sur les jambes qu'il ne soit plus capable de tenir dessus. Ensuite de ça, ce que tu peux faire, c'est frapper les jambes pour monter à la tête. Donc, ça, ce que tu peux faire, c'est tes Superman. T'es Superman ici. Je feinte et j'envoie ma frappe. Mes question marks. Je feinte. J'envoie ma frappe. Toutes sortes de trucs pour monter à la tête. Exact. Dans le fond, est-ce que tu as des questions sur les low kicks? Oui. Oui, c'est sûr que si tu fais beaucoup de in and out, c'est quelque chose que ton adversaire va pouvoir regarder ça dans ses low kicks. On a vu, là, quand tes orteils sont vers l'intérieur, ça ne donne pas envie de lancer des inside legs, mais ça donne drôlement envie de donner des outside legs et des calf kicks. Calf kicks, c'est kick au mollet. Donc, ce que tu peux faire, c'est tourner peut-être un petit peu ton genou pour être prêt à checker. Ça marche? Donc, si j'ai un stance assez large et que je fais des in and out, au lieu d'avoir vraiment le genou vers l'intérieur, toujours, OK? Je ne dis pas que c'est mauvais de faire ça. Quand tu regardes, il y a beaucoup de combattants qui se battent souvent avec le genou vers l'intérieur.
C'est juste d'être prêt à checker le kick ou à sortir de la pocket. Donc, tu peux garder ton genou un petit peu, quelques fois, vers l'avant pour ne pas trop l'inciter à envoyer l'outside leg kick. Ou tu peux jouer aussi avec la largeur de ton stance. Donc là, ici, j'ai un stance large. Je peux avoir un stance court, large. Donc, jouer un petit peu en ayant le stance plus large et un stance plus étroit. Okay? C'est de varier un petit peu. Est-ce que ça répond à ta question? Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer avec Bob. On va prendre une petite gorgée d'eau. On s'en va avec Bob. On va revoir des petites choses quand on a Bob dans les pattes. Et après ça, on va mettre Bob au sol puis on va faire quelques exercices avec lui. Tu peux les garder. Tu peux les garder parce qu'on va frapper. Ce qu'on va faire, on va juste voir des positions. Quand on a Bob dans les pattes, parce qu'on les a déjà vues, on voit ça comme une révision. Une révision des positions avec Bob. Donc, Bob est venu faire. Je vais me mettre de l'autre côté pour que tu puisses bien voir. Il veut un double leg. Il veut venir chercher mes jambes ici. Okay? Donc, ce qu'on va faire, première des choses, ma main qui est ici, je viens chercher un wizard. Comme ça ici. Exact. Là, pour l'instant, je ne peux pas mettre trop de poids parce que si je mets beaucoup de poids, je vais tomber avec Bob au sol. On ne va pas faire ça pour la technique. Donc, je m'assure que mon épaule est en arrière de la sienne. Mon épaule ici est en arrière de la sienne. Mon autre main, ce qu'on va faire? Mon autre main ici, ce que je vais venir faire, je vais venir chercher mon crossface. Donc, je vais venir chercher jusqu'à l'autre épaule. Ça marche? Et ce qu'on va faire? On va juste le relever. Hop. Et pour ajouter le plaisir, on va juste lancer un petit coup de genou. Boom. Exact. Donc, on part d'ici. Okay. Je vais chercher mon wizard, mon crossface. Je le lève et j'envoie un coup de genou. Bon, on en fait juste 10 parce que c'est une révision. 1. Wizard, crossface, je le lève. J'envoie un coup de genou. Quand tu fais ton crossface, essaie de ne pas trop aller dans la gorge, vas-y vraiment sur le menton, à travers son visage. Oui, on y va, 2. Wizard, crossface, on lève et j'envoie mon genou. On y va, 3. On lève. On répète. 4, 5, lève, good, pour les 5 autres là, on y va un truc plus rapide, 6, neuf et 10. Good. Donc là, ce qu'on a fait, j'avais Bob dans les pattes. Wizard, crossface, je le remonte. Maintenant, ce qu'on va faire, j'ai Bob dans les pattes encore. Et ce que je viens faire, donc, mon wizard, admettons que mon wizard, je sens qu'il n'est pas possible, je sens qu'il ne peut pas l'avoir, ou que je sens que j'ai une ouverture pour une guillotine. On va aller chercher la guillotine. Pour l'instant, guillotine conventionnelle, pas obligé de faire ton handgun choke, ton iron fist, ton diesel squeezel, ça ne me dérange pas. Vas-y juste guillotine conventionnelle. Donc, je viens chercher ma main, hop, je monte mon coude et j'essaie de venir coller son menton à son chest. Ça marche? Juste comme petit rappel, quand je suis ici, et je vais twister un petit peu. On appelle ça le bercer le bébé. Et après ça, je vais venir coller son menton à son chest. On en fait une dizaine. Regarde, je pars ici, les mains sur le dos.
On vient enrouler la tête, le coude vis-à-vis le menton. Je viens chercher ma propre main, je berce le bébé et je viens coller son menton. Deux. On reprend. Les mains au dos. Deux. Enroule la main. Je berce le bébé et je colle le menton. Trois. Quatre. On va mettre de l'autre côté pour les cinq autres. On y va un peu plus rapide. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Good. Un petit truc pour la guillotine. Un petit truc, je ne voulais pas t'en parler pour ne pas focusser là-dessus. As-tu ma main ici qui vient chercher mon autre main? Ça se peut qu'elle soit bloquée par son épaule ici. Quand j'ai ma guillotine, ça se peut que son épaule me bloque. Okay? T'as plusieurs solutions. Je t'en donne deux. Tu peux pousser sur l'épaule pour laisser avoir de la place. Si l'épaule n'est pas accessible, tu peux venir chercher l'intérieur du biceps ici. Donc, oh, je me fais de la place et je viens chercher ma main. Donc, s'il y a de l'espace, je viens chercher l'épaule pour faire de la place et je viens chercher ma main. S'il n'y a pas de place sur l'épaule et l'intérieur du biceps, oh, on va faire un petit peu de place pour aller chercher ma main qui est ici. Je viens chercher ma main. Je la ferme. C'est bon? Good. Maintenant, ce qu'on va faire, on va y aller avec le Kimura. Donc, on est allé jouer de ce côté-là avec mon Wizard, mon Crossface. On est resté de face. On est resté de face avec la guillotine. Maintenant, on va aller jouer de l'autre côté. Okay? Quand tu vas jouer de l'autre côté, est-ce que tu vois ce qui peut arriver en ce moment-là, de la façon que Bob est placé? Oui, c'est exactement ça qu'on va faire. On va faire le Kimura. Sauf qu'il faut faire attention parce qu'il peut avoir mon dos ici. OK? Donc, la priorité, là, je te dirais, pour ma part, ce serait de toujours faire face à ton adversaire. Donc, moi, je prioriserais ce qu'on a fait en premier. Wizard, ici. Sauf que des fois, ce n'est pas toujours possible. Ou le momentum fait en sorte qu'on n'est pas placé comme ça. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je me retrouve face à Bob. OK? Il s'en vient de jouer à première jambe. Ce qu'on va venir faire, je vais venir chercher son poignet ici. Je vais venir enrouler son épaule et venir chercher mon avant-bras. Ça marche? On en fait 10 comme ça. 1. Je viens chercher le poignet, j'enroule son épaule, je viens chercher son avant-bras. Exact. 2. 3, 4, 5, good. Pour les 5 prochains, on va un petit peu plus rapide. Assure-toi que tu as le bras ici. Parce que si tu ne l'as pas, tu commences à tourner, ça va être plus facile pour lui d'aller chercher ton dos. Alors, assure-toi que tu as bien le bras. On y va, les 5 prochains un peu plus rapide. 6. 7, 8, 9 et 10. Good. Bon, pour l'instant, on n'a pas terminé le Kimura, mais le Kimura peut se terminer de plusieurs façons ici. Je pourrais pull guard en jujitsu, je ne fais pas ça en MMA. Je pourrais tout simplement essayer de venir tourner ma position. Je pourrais venir porter beaucoup de pression en arrière de son épaule et commencer à tourner après. Manière de terminer, c'est là-dessus qu'on va se concentrer. C'est bon, une petite gorgée d'eau? Après ça, on s'en va au sol avec Bob.
Donc, ce qu'on va faire au sol avec Bob, on va voir trois petits trucs. On va voir notre Neon Belly. On va venir le chercher. Ça, tu l'as déjà vu. On va voir comment venir switcher notre Neon Belly, d'aller d'un côté à l'autre. On va voir aussi notre shoulder pressure, mais comment mettre de la pression avec notre épaule dans la gorge. Et à partir du shoulder pressure, venir chercher un Americana. Je ne sais pas si on a déjà vu l'Americana. Ça ressemble un petit peu au Kimura. Donc, pardon? Pousse dessus pour le descendre. C'est pas si grave. Donc, est-ce que tu vois bien? Ouais, ok. Donc, je vais faire mes démonstrations du Americana de ce côté-là pour que tu puisses bien voir. Ça marche? Donc, quand je suis à Americana, son bras, okay, est entre les deux miens. Okay. Je pourrais très bien faire mon Americana si ma main est en dessous de sa tête, mais pour l'instant, pour le bien de l'exercice, ce qu'on va faire, c'est que mes deux bras sont de ce côté-là. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer bien tranquillement. Ma main qui est vers sa tête, viens contrôler son poignet. Exact. Donc, je contrôle son poignet. Mon autre main va glisser en dessous du bras, va venir chercher mon avant-bras. Exact. Ensuite de ça, son coude, je vais venir le coller contre son corps, le plus possible. Okay. Après ça, je fais, vois-tu ma main là? Et ça, c'est pour accélérer en moto, je fais le contraire. Donc, je m'en viens porter mon poignet vers le bas. Donc, c'est ça ici. Je colle son coude contre son corps. Je vais porter mon poignet vers le bas. Exact. Ce qui me reste à faire, là, d'habitude, la personne tape à ce moment-là, c'est que je viens monter son coude. Okay? Sans enlever de pression de son chest. Okay? On s'en fait 4-5 répétitions comme ça, puis après ça, on va passer à l'exercice. Donc, comment tu dis? S'il a dépoité l'épaule, c'est bon ça. C'est ça qu'il faut. Good. Donc, mes bras sont de ce côté-là de son corps. Contrôle le poignet. Je passe en dessous, je viens chercher mon avant-bras. Je viens porter son coude à son corps. Je viens faire le contraire d'accélérer en moto et je lève un petit peu son coude en gardant de la pression sur son chest. On en fait 3 autres. Pour le poignet, je viens porter ma main en dessous. Donc, je viens chercher mon avant-bras. Colle le coude au corps. Contraire d'accélérer en moto. Et je lève son coude si c'est pas terminé. Il en reste 2 autres à faire. 2 autres. On y va, tu fais les étapes. Un petit dernier. Good. Maintenant, ça se peut que la personne, là, elle ne se laisse pas faire ici. Donc, elle ne se laisse pas contrôler le poignet. À ce moment-là, tu peux t'aider avec des petits points de pression. Donc, l'intérieur de l'épaule ici, tu peux venir peser sur l'intérieur de l'épaule. Tu peux, avec le dessus de ta tête, t'aider pour plier son bras. Donc, il y a plusieurs outils que tu peux te servir. Okay? Il y en a aussi ce qu'ils viennent faire. Si le bras il est bien droit, ils prennent ce coude-là. Ils viennent peser dans le creux du biceps ici, où est-ce qu'il y a le tendon. Plier le bras. Une fois que le bras il est bien plié, après ça, ils vont faire l'Americana. Comme je te dis, il y a plusieurs manières de le terminer. Okay. Oui, comme ça. Je contrôle le poignet. Je viens peser avec mon coude à l'intérieur du biceps pour plier le bras. Une fois que le bras est plié, je peux terminer ma soumission. Sinon, si le bras il est bien tendu, tu peux tout simplement terminer par un straight arm bar. Straight arm bar. Je vais m'appuyer sur la jonction et je mets de la pression.
Maintenant, on va passer à l'exercice. Donc, nos trois choses qu'on a à faire. Okay? On voit ça comme une drill, puis on termine avec ça. Donc, ce que je fais, je suis en side mount. Je suis en side mount ici. Okay? Je viens chercher mon knee on belly. Je vais lancer deux frappes. Je vais mettre mes mains sur les épaules et je change de côté. Donc, mon knee on belly, ça va de l'autre côté. Je retourne en side. Exact. Là, il y a un petit détail ici. Est-ce que tu vois que Bob, son coude, est à l'intérieur de ma hanche? OK. Je veux m'assurer qu'il n'est pas là, son coude. Je veux m'assurer que son coude n'est pas là. Donc, ce que je peux faire, je pourrais tout simplement tirer sur son coude. Oup! Si ça ne fonctionne pas, je vais faire un switch ici pour sortir le coude. Il faut vraiment que son coude ne soit pas à l'intérieur de ma hanche. Donc là, ce qu'on a fait, knee on belly, on a lancé deux frappes, on a changé de côté, on est allé en side, puis je m'assure que son coude n'est pas dans ma hanche. Est-ce que tu vois ma main qui est ici? En dessous de la tête de Bob. Là, c'est là que je vais venir faire mon shoulder pressure. Faire en ayant ma paume vers le bas, sa tête est ici. Je viens joindre mes deux mains, je mets beaucoup de pression avec mon épaule dans sa gorge. Hop, beaucoup de pression dans sa gorge. Ça marche. À partir du shoulder pressure, ici, je viens chercher son poignet, je lâche le shoulder pressure, chercher son poignet, Americana. Oh, pogne le poignet avec ton autre bras. Ouais. Americana. Exact. Ensuite de ça, on recommence. Mets la main sur l'épaule, sur la hanche, knee on belly. Deux frappes. Les mains sur les épaules, je switch de côté. Je vais tomber en side mount. Si le coude est à l'intérieur de ma hanche, je m'arrange pour qu'il là. Ça marche? Maintenant, shoulder pressure. Shoulder pressure est fait. Americana. Good. À partir du Americana. Knee on belly. Deux frappes. Main sur les épaules. Switch. Side mount. Shoulder pressure. Americana. On retourne en knee on belly. Deux frappes. Mains sur les épaules. Switch. Side. Shoulder pressure. Americana. On retourne, knee on belly. Est-ce que tu comprends bien la drill? Good, on l'a fait une bonne intensité, des bonnes frappes. Donc deux frappes, hop, hop. Switch, side, si le coude est là. Shoulder pressure, Americana, knee on belly, deux frappes, switch, side, shoulder pressure, Americana, knee on belly, deux frappes, switch. Je regarde, ça va bien. Good job, pause. Je fais une petite révision de ce qu'on a fait. Petite révision de ce qu'on a fait. Donc, je vais passer par-dessus le warm-up et tout ce qu'on a fait au début. On a vu l'inside leg. On a vu l'inside leg. Je pouvais le mixer avec mon direct ou mon jab.
On a vu l'outside leg. Je pouvais lancer en ligne droite. Quand je step de mon côté avant, sur le top de la cuisse. Ou quand je step de mon côté arrière, en arrière de la cuisse. Exact. Ensuite de ça, on a vu trois combos. On a vu trois combos. Le premier, jab direct, crochet à la tête, low kick. Le deuxième, on feintait direct, crochet au corps, low kick. Et le troisième, je prenais de l'angle, mon low kick, je feinte et je viens chercher la jambe arrière. C'était nos trois combos. Ensuite de ça, on avait notre combo du jour. Combo du jour. Direct, inside leg. Jab au corps, uppercut, crochet, outside leg. Moi, je le répète. 2, inside. 1, 6, 3, outside. Ensuite de ça, après notre combo, on avait Bob dans les pattes. Donc, quand j'étais avec Bob, première des choses qu'on a vues, je fais face, mon chest fait face à sa tête avec mon wizard. Je vais chercher mon crossface, je l'ai relevé et j'ai envoyé un coup de genou. Ensuite de ça, ce qu'on a vu, j'ai Bob, maintenant je suis face à lui. Je peux aller faire une guillotine. On a vu qu'on pouvait pousser sur l'épaule pour se laisser de la place. Guillotine. Ensuite de ça, je vais placer l'autre côté. J'ai vu, quelquefois, on ne peut pas toujours contrôler la position. Donc, ça revient à mon dos, je contrôle le poignet, je mets mon kimura. Pour terminer, je mets Bob au sol. On a fait une petite série. Donc on avait notre ground and pound avec les knee on belly. On a vu notre side mount. D'enlever le coude dans la hanche pour bien prendre notre montée de côté. Ensuite de ça, on a vu notre shoulder pressure. Donc, mon épaule dans la gorge. À partir du shoulder pressure, je vais venir chercher mon Americana. Yann, est-ce que tu as des questions? J'en ai une, mais c'est pas pour le coup. Est-ce que la semaine prochaine, on peut